Voici le petit être au reflet bleuté. Voici le combattant à l'armure solide. Voici un coprophage, un animal qui se nourrit à base d'excréments. On l'appelle parfois le bousier, ou voici le géotrupe des bois. On retrouve ce petit coléoptère principalement dans les forêts et les champs. Dans les temps anciens, il était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui et suivait les troupeaux. On pouvait donc le retrouver dans de nombreux milieux. Aujourd'hui, sa population est en déclin du fait de l'utilisation de pesticides, du remembrement des parcelles et de la fragmentation paysagère. Les forêts du géotrupe des bois sont également habitées par les lépieux de crépus, les très odorants Anthurus d'archer, les nombreuses armillères d'Ostaïa, les minuscules mycènes en aiguille, les flamboyantes calloservisqueuses, les redoutables amanites du mouche, et les très convoités cèpes de Bordeaux. Elle se baigne dans le feu et ne brûle jamais. Ses grands yeux émergent dans la nuit et son corps s'en imprègne. Elle terrifie le règne animal et n'a pas de prédateur. Elle inspire par la peau et expire un venin brûlant. Voici donc venir la salamandre tachetée. Loin de l'optique de la camoufler, sa peau aux motifs abstraits et aux couleurs vives inspire d'instinct aux prédateurs de ne pas y goûter. L'épiderme des salamandres est également leur carte d'identité, car chacune d'entre elles est unique. Son espérance de vie est en moyenne de 20 ans, un record par rapport aux autres amphibiens, car elle vit deux fois plus longtemps que la plupart d'entre eux. Les croyances anciennes racontent qu'elle était engendrée par les flammes, car hibernant dans les souches d'arbres ensuite utilisées pour le feu, et qu'elle en sortait une fois réveillée par la chaleur. Elle ne s'enflammait pas, car protégée quelques instants par la couche humide de sa peau. La route empruntée par la salamandre tachetée traverse les colonies d'ouvrières de la fourmi rose des bois. Thank you.
Voici celui qui arpente les falaises rocheuses. Voici l'être aux couleurs discrètes qui montrera, à qui veut bien le voir, un plumage flamboyant. Voici le seul représentant de son genre, Tichodroma. On l'appelle aussi coureur de roche, voici le Tichodrome échelette. Ce petit oiseau furtif se nourrit de larves et insectes présents sur les affleurements rocheux. Ne craignant pas l'homme, on peut le retrouver sur les barrages et parfois sur des grands bâtiments en pierre nue. En hiver, le Tichodrome échelette pratique ce que l'on appelle une migration altitudinale. Il quitte les hauteurs en se dispersant pour trouver un climat plus doux, à plus basse altitude. Notre patience nous a permis de rencontrer les proches voisins du Tichodrome échelette, comme le grand corbeau et l'éphipigère des vignes. Voici celle qui effraie le monde de par ses croyances infondées. Voici celle qui a pactisé avec l'obscurité. Voici une bête mi-oiseau, mi-souris. De la famille des chauves-souris, voici le petit rhinolophe. Malgré sa vue quasiment inexistante, ce chiroptère se repère grâce aux ultrasons qu'elle émet afin d'évaluer la distance qui la sépare des obstacles, proies ou de ses congénères. On peut l'apercevoir dans les grottes et cavités, mais elle est également observable proche de l'homme, derrière les volets, dans les caves ou dans les greniers. Durant l'hiver, les chauves-souris hibernent. Elles deviennent donc très sensibles et leur vie peut être menacée en cas de dérangement trop important. Le vol des chauves-souris nous a menés sur la piste du Loir Gris et des nombreuses métaménardies, la grande araignée des grottes.
voici l'alliance entre un fragment de ciel et un fragment de soleil. Voici celui qui, issu d'une lignée tropicale, a su ravir nos yeux. Voici celui qui a su contrer les pertes d'hiver, par 2 à 4 progénitures par an, de 4 à 7 petits. Et voici l'unique animal qui peut se camoufler en muant plusieurs fois par seconde. Faisant son entrée terrorisante dans les bancs d'alevins, voici le martin pêcheur d'Europe. De son nom latin, Alcedo atis, et anciennement nommé Alcyon, littéralement qui fait son nid sur l'eau, cet oiseau est sûrement l'un des plus colorés que l'on peut trouver chez nous. Ses plumes, mouchetées, rayées, unies, qu'elles soient bleues, oranges, blanches, lui permettent étrangement de se camoufler dans la végétation des berges. C'est notamment grâce à leur incroyable captage de lumière qui lui offre un plumage changeant selon la lumière qu'elles perçoivent, allant du gris terne au bleu le plus pur. La femelle se distingue du mâle par son bec, dont la partie inférieure se teinte d'une longue tache orangée. Voici la dame en noir et blanc, des bords d'étang. Voici celle dont les pattes se teintent de rouge à l'âge adulte. Voici celle qui voit aussi bien de jour que par une nuit sans lune. Voici donc les chasses blanches. Elle fait partie de la famille des limicoles et se nourrit donc en surface ou au fond de l'eau de petits invertébrés et de mollusques enfouis dans la vase. Elle niche sur les bords d'étang, de champs inondés et de lagunes. Son nid est simplement un creux dans le sol garni d'herbes et de feuilles. En période de nidification, les couples sont très bruyants. Sa capacité à voir de jour comme de nuit lui permet de se nourrir dans la pénombre la plus profonde, et donc de se reposer la journée ou de protéger son nid. Elle n'est pas nicheuse dans le Limousin, ça a donc été une chance de pouvoir l'observer dans la région. Les pas de l'échasse blanche nous ont menés sur la piste du petit gravelot. Voici l'être qui effraie le monde aquatique. Voici l'animal qui transperce les chairs. Voici le maître dans l'art de l'immobilisme. Voici le héron cendré.
Son régime alimentaire est varié. Il peut se nourrir de poissons, de petits amphibiens, de reptiles ou de mammifères. Ne pouvant pas digérer les poils, il les recrache sous forme de pelotes. Son régime varié lui permet de chercher sa nourriture sur de nombreux milieux, étangs, marais, zones humides, prés, et même dans les espaces verts urbains. La recherche du héron cendré nous a conduit tout droit à des rencontres inattendues, comme celle du foulque macroule, du filigule milouin ou de la sarcelle d'hiver. Voici le petit prince agile des forêts. Voici celui qui aboie durant l'été. Voici le plus petit cervidé de France. Voici le chevreuil européen. Le chevreuil, tout comme le cerf, perd ses bois chaque année, mais plutôt que celui-ci. Il les perd entre octobre et décembre. La femelle du chevreuil s'appelle la chevrette, et non la biche, contrairement à ce que l'on entend souvent. La gestation de la femelle est supposée durer 5 mois, mais durant l'hiver, elle ne peut pas mettre bas à cause du manque alimentaire et du froid. On observe alors un phénomène rare, appelé diapause. Ce phénomène consiste à geler la croissance de l'embryon, puis de la reprendre lorsque les conditions le permettent. On retrouve ce phénomène surtout chez les insectes ou les poissons, mais elle est également observable chez certains rongeurs. La gestation du chevreuil européen aura alors une durée de 9 mois. Thank you.
La quête du chevreuil européen nous mène inévitablement sur les pas du renard roux. Voici le plus craint des animaux sauvages. Voici celui qui, de par sa parure, domine le règne animal. Voici le disparu qui ne jure que par Chambord. Du printemps à l'été, naissent des petits êtres mouchetés, les futures reines et rois de nos forêts. Quand les feuilles brunissent, en tendant l'oreille, on entend claquer leurs ornements sacrés. On le nomme roi des forêts, voici le cérélaphe. Malgré les différences, il est souvent confondu avec son frère d'armes, le chevreuil, qui est pourtant bien plus petit. Il se nourrit de ses velours tombants qui lui donneront des forces avant les combats d'automne. Cette saison lui sera mouvementée, le fameux brame du cerf. Combattant ses anciens frères devenus rivaux, les affrontements se finissent en défaite ou en mort. Le gagnant verra sa progéniture grandir 9 mois plus tard.